Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter l'Originoscope pour l'année 2019 et évidemment j'en profite bien entendu pour vous souhaiter à toutes et à tous à la fois un excellent Noël et bien entendu présenter mes meilleurs voeux pour l'année qui arrive. Et du coup on va en profiter justement pour faire un petit peu un état des lieux, donc évidemment signe par signe, mais aussi juste très rapidement sur l'ambiance générale. Hein, vous savez, les originoscopes peuvent se voir d'un point de vue profil selon le signe, mais également selon la globalité, un peu comme un thème astral. Alors j'ai fait un originoscope avec presque toutes les cartes en réalité. J'ai simplement en fait doublé les planètes. Normalement vous savez, un originoscope c'est seulement les deux demi-signes et une planète qui accompagne. Cette fois-ci j'ai doublé les planètes, j'ai juste mis de côté dans le jeu les nœuds lunaires, la Terre, la part de fortune, la lune noire et Priape, parce que c'était pas indispensable qu'on pouvait faire sans. Et comme ce sont surtout des points fictifs ou des points de calcul, voilà, je les ai un peu mis de côté. Donc on va voir simplement l'année pour 2019, un petit peu pour tout le monde. Globalement, ben, en fait on va voir que le mouvement reste assez continu par rapport à ce qui avait déjà été amorcé en 2018. On a bien vu hein, un peu le drame social, cette espèce de soulèvement populaire, particulièrement en France, mais pas uniquement. On voit bien que c'est assez généralisé, ça bouge beaucoup, et va se poursuivre. J'en avais d'ailleurs parlé sur Facebook et Instagram, quand j'ai parlé de la conjonction qui se produit actuellement dans les astres entre Hadès et Chronos. Chronos qui est le dirigeant, le gouvernant, le roi, l'empereur, mais également le patriarcat, et Hadès qui est justement ce qui va anéantir, détruire, faire se déliter les choses. Et on voit qu'on a une belle conjonction qui va durer pendant pas mal d'années, pendant au moins une bonne vingtaine d'années avant d'arriver à son maximum. Donc on voit que c'est justement encore de plein fouet pour 2019, avec justement ce rayon tout en haut où on retrouve, donc ça c'est le rayon justement du dirigeant, de l'aspiration socio-professionnelle, du maximum, de la direction dans le sens de diriger, et là où on se retrouve justement à nouveau avec Hadès conjoint avec Eris qui est la carte du conflit, associé à la pointe de flèche qui normalement est censée se trouver dans ce rayon là mais en haut, et qui montre justement le côté un peu virulent, un peu violent, associé à la graine germée qui pareil est une carte assez violente. Donc on va voir qu'au niveau social c'est vraiment un soulèvement qui se poursuit, et que même si c'est pas avec les gilets jaunes, même si c'est quelque chose qui s'arrête, ça prendra une autre forme, en tout cas c'est pas terminé. Ce qu'on va voir également au niveau global en 2019, c'est que malheureusement dans le train-train quotidien, dans la vie de tous les jours, les choses deviennent toujours plus lourdes, elles ne sont pas allégées, on n'a pas beaucoup de mesures sociales qui aident malheureusement à reprendre le dessus. On va le voir justement avec le rayon inverse, hein, c'est-à-dire le rayon 4, là où on avait, on va dire, les dirigeants ici, on va avoir les bonnes gens en bas, voilà, les gens du peuple, hein, bah, vous et moi, voilà, on est tous un peu logés à la même enseigne, tous ceux qui ne sont pas... à l'Elysée ou à la Maison Blanche, donc voilà, et on va se retrouver justement avec une main du glaneur qui est encore en demande, qui est encore en réclamation, avec malheureusement une planète qui est Admète, qui est très lourde, qui est très pénible, associée à la Lune et au pénis de Taureau. Là on va vraiment sur un dérapage de nos limites, on va vraiment essayer de casser ce carcan qui est extrêmement difficile, extrêmement pénible et très pesant en réalité au quotidien. On voit encore la demande, mais on ne voit pas l'arrivée justement de ce qu'on demande, hein, c'est-à-dire bah, simplement de quelques évolutions sociales qui nous permettraient de mieux vivre et plus simplement. Ceci étant, on va voir particulièrement avec la maison 3 et avec la maison 5, on va voir justement que la part sera belle pour les gens qui vont avoir l'idée de se mélanger entre eux. Pardon, j'ai dit rayon 5, je voulais dire rayon 6. On va voir que la part sera belle pour les personnes qui sauront s'associer, qui sauront collaborer, qui seront capables de co-créer. Là, l'énergie monte plutôt en flèche, et pour les personnes qui veulent s'en sortir, c'est vrai que comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, et là c'est vraiment le moment, c'est très dépositaire de la génération verte, hein, dont je parle déjà depuis longtemps, où on sait qu'aujourd'hui on quitte la génération jaune qui est une génération égocentrée, et on va arriver vraiment dans une génération éco-centrée, c'est-à-dire où on est tous, ben voilà, un petit peu comme là, on est tous dans un cercle, et ce qui touche les uns va toucher les autres, peut-être pas de la même manière, mais ça va affecter tout le monde. Donc là, effectivement, on va voir que la précarité qu'on peut vivre dans le quotidien, ça sera facilement... Enfin, facilement entre guillemets, mais on peut trouver une issue salvatrice justement par l'association, par le travail avec d'autres personnes. C'est le moment de s'allier, c'est le moment de se prendre par la main les uns les autres et de dire toi tu as cette faiblesse, moi j'ai telle faiblesse, mais nos forces nous permettent justement de compenser les faiblesses l'un de l'autre. Donc allons-y, profitons de ça pour se mettre ensemble. Alors l'année 2019, ça va être une année qui majoritairement sera particulièrement éprouvante, mais aussi majeure, très marquante, particulièrement pour les Sagittaires et pour les Capricornes. Ça veut dire que, en gros, nerveusement, ça va demander de l'énergie. Alors, je sais que pour les Capricornes, vous en avez déjà pas mal mangé, pas mal douillé au cours des derniers temps. C'est pas entièrement fini. Et pour vous, les Sagittaires, vous qui êtes à tendance assez nerveux, il va falloir garder la tête froide parce que c'est une année qui peut être difficile. Je dis pas qu'elle va être difficile, je dis qu'elle peut être difficile. Mais par contre, si vous gardez justement la tête froide et que vous êtes stratège, vous pourriez vous en sortir bien plus honorablement que tous les autres. Ça va être une année assez charnière. A l'inverse, on va retrouver au contraire les Poissons et les Gémeaux qui pourront s'en sortir plutôt, on va dire, astucieusement, pourront tirer leur épingle du jeu, ce qui sera assez intéressant, donc pas de grosse inquiétude pour eux. Et alors de l'autre côté, on a les Verseaux et les Taureaux, là pour qui c'est vraiment une année royale et assez fastoche, donc c'est le moment pour eux d'en profiter, de mettre vraiment... Alors n'allez pas mettre non plus tous les œufs dans le même panier, c'est pas la peine, mais en tout cas voilà, on peut s'en sortir plutôt pas mal. Et puis bon, on va aller voir signe par signe. Alors on va attaquer par les Poissons. Les Poissons qui, vous trouvez là, donc ici, dans cette colonne-là, et on va voir que vous avez cornes de caprin et pieds de caprin. C'est amusant parce que vous recomposez le signe des caprins, c'est-à-dire c'est un équivalent des Capricornes, mais avec un sens un peu différent. Et vous êtes accompagné ici, donc vos cornes de caprin sont associées, à Neptune, et le pied de caprin, lui, est associé à Mars. Et c'est assez amusant parce que Neptune est justement très proche des cornes de caprin dans son sens, tandis que Mars et pied de caprin s'entendent extrêmement bien. Donc pour vous les Poissons, l'année 2019, ça va être une année sous le signe du caprin. Bon, je sais que vous n'êtes pas des bêtes à cornes, mais il faudra vous y faire. Et qu'est-ce que c'est le caprin? Eh bien c'est la permanente alternance, quasi de la bipolarité, on n'est pas loin de la bipolarité, entre le combat et le lâcher-prise, entre je veux provoquer des choses, je veux tenir la situation en place, et l'idée de laisser couler, de laisser aller et de laisser faire les choses. Alors, c'est amusant parce que du coup, vous avez Neptune qui est votre planète à vous, les Poissons, qui du coup est en domicile chez vous, ce qui fait qu'elle va prendre énormément d'influence, elle va être très très forte. À l'inverse, on a la planète Mars qui est plus dépositaire du début du signe, hein, début des Poissons. Les débuts Poissons sont plus martiens que les fins Poissons. Les fins Poissons sont davantage neptuniens que les débuts. Mais du coup, on retrouve ces deux planètes qui sont complètement antinomiques à la base. Il y en a une qui veut assumer son intégrité et son individualité avec Mars. Et on a au contraire Neptune qui lui est plutôt dans la dilution et dans la tranquillité et dans une union sociale. Donc c'est très intéressant de retrouver les deux. Et en gros, ben, on va ressentir un peu cette bipolarité en vous hein, au cours de cette année, cette espèce de sentiment de je lâche prise, je me bats, je lâche prise, je me bats. Pourtant, ce qu'on va retrouver... C'est que justement, puisque vous avez dans votre milieu du ciel, donc le milieu du ciel pour vous c'est cette première partie, hein, c'est-à-dire cornes de caprin et Neptune, puisqu'on a cornes de caprin et Neptune, ça apparaît dans le milieu du ciel, c'est-à-dire en gros ce qui sera fait ou ce qui est à faire, tandis que la deuxième partie se trouve dans votre fond du ciel qui là est à l'inverse plutôt la conséquence ou ce qui va instiguer le mouvement. Alors on pourrait se dire, si on laisse faire, ça va nous donner envie de nous battre ou on sera dans une situation conflictuelle. Oui, c'est possible. Mais ce qu'on va voir également, c'est que justement, si vous vous trouvez dans une situation où on attend de vous une forme de combat, où on vous titille un peu, on vous chatouille un peu et on sent que c'est pas du tout agréable et que vous êtes à deux doigts d'exploser, justement, c'est le moment pour vous de lâcher prise et de laisser faire. Si vous êtes capable de lâcher le morceau, de vous détendre par rapport à ce qui se met en place, par rapport aux combats qui ont l'air de se présenter à vous, ça sera beaucoup plus tranquille. D'ailleurs, on remarquera que votre ascendant se trouve ici en maison T, ce qui est très intéressant parce que c'est la maison de l'épi de blé, et tandis que votre descendant, lui, se trouve dans votre maison 2, c'est-à-dire la maison des biens matériels et du corps. Et en fait, ce qu'on va voir dans cette association, c'est que on sera plutôt en bonne santé, il y a quelque chose d'assez confortable et d'assez agréable au niveau de votre santé pour 2019, mais aussi et surtout d'un point de vue financier, c'est le moment de justement remplir le joli petit cochon pour lui faire un ventre tout rose. Donc c'est plutôt pas mal, on a plutôt une bonne santé financière, on a plutôt quelque chose d'assez solide, c'est pas une extraordinaire richesse, mais ça vous permet de vivre avec un petit peu plus de sérénité, donc vous serez peut-être moins altéré par justement ce qu'on a vu dans le rayon 4. Vous serez un petit peu plus peinard à cet endroit-là. Donc c'est assez sympa pour le coup pour vous les poissons. Donc juste apprenez à lâcher prise. Dès l'instant où vous voyez qu'il y a un combat, lâchez prise. Laissez faire, laissez couler les choses. Et en fait, apprenez à cohabiter. Apprenez à cohabiter avec ce qui habituellement a l'air de s'opposer à vous. Quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, c'est le moment de le faire. Soyez comme Jim Carrey dans le film Yes Man. Dites oui aux opportunités auxquelles d'habitude vous auriez dit non. On passe au bélier. Alors les béliers, vous êtes tac ici, dans le rayon 2, qui du coup devient le rayon 1 pour vous. Et on se retrouve ici avec la queue de poisson qui s'associe à Mercure dans votre milieu du ciel, parce que je rappelle, milieu du ciel, ça s'alterne toujours, et pareil les fonds du ciel, ça s'alterne toujours. Donc là on retrouve votre milieu du ciel ici avec la queue de poisson et Mercure, et votre fond du ciel est habité par le demi-grain d'orge et Junon. Votre ascendant se trouve, que je retrouve, Tagazu, votre ascendant, il est où? Il est ici, il se trouve en maison R, et tandis que votre descendant se trouve en maison 5, c'est-à-dire ici, juste à côté. J'essaie de tout regarder, c'est un petit peu compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Je vais m'asseoir parce que sinon ça va être long. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous les béliers? Ce qu'on va voir qui est intéressant, c'est que vous avez une association, une très belle association entre la queue de poisson et Mercure. Alors la queue de poisson, c'est quoi? La queue de poisson, c'est le mec dans le fond du bateau qui met du charbon dans la chaudière pour que le paquebot avance. C'est-à-dire c'est celui qui se donne pour que la machine progresse et que, pour que tout le monde puisse en profiter. Et on le trouve justement en association avec Mercure. Et Mercure, c'est le dieu messager, c'est celui qui est au service des autres et qui vient pour filer un coup de pouce, pour filer un coup de main, et qui permet aux situations difficiles de trouver une issue favorable. Alors c'est très amusant parce que du coup on vous voit dans une énergie... Oui, j'ai mon pied qui passe. C'est parce qu'ici c'est le pied. Hein. Comme je suis actuellement à Koh Lanta, voilà, comment vous dire que je suis extrêmement détendu. En fait, pour vous, du coup, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un côté extrêmement serviable au cours de 2019. Il y a l'idée d'être au service des autres, d'aider les autres à se construire. Et en fait, vous allez comprendre la différence entre des plaisirs superficiels qui sont très égocentrés et les besoins essentiels qui, eux, sont davantage égocentrés et relationnels et qui vont être les vôtres. On va voir que, justement, votre ascendant va se trouver en maison R, c'est-à-dire dans la maison de la carapace de scarabée, et c'est le retour justement à l'essentiel, retour à ce qui est bon pour nous. Et vous allez voir que dans le bélier, ben c'est quoi le bélier? Le bélier aux origines, c'est l'animal qu'on sacrifie, pardon, et qu'on sacrifie pour les autres, qu'on sacrifie aux dieux, qu'on sacrifie comme offrande. Et en fait, vous allez vous rendre compte en 2019 que votre vie ne peut pas être épanouissante si elle est égocentrée. Elle doit être éco-centrée et elle doit être en relation avec les autres pour qu'elle puisse prendre du sens. Et ce qui est amusant, c'est que votre descendant se trouve justement en maison 5. Maison 5, maison des plaisirs, maison des relationnels agréables, maison, ça peut être du couple un petit peu, oui effectivement, mais ça peut être simplement tout ce qui va nous faire du bien, tout ce qui va nous remplir de joie par rapport aux autres et par rapport aux petits plaisirs de la vie. Donc 2019, ça va être le moment pour vous justement de vous recentrer, de vous recibler sur ce qui va vous faire du bien, sur ce qui va vous nourrir. D'autant plus que vous êtes ici dans le rayon numéro 2 et votre planète, qui est la planète Mars, se trouve ici en semi-sextile, c'est-à-dire elle va vous filer un petit coup de pouce, ça va être un petit peu un moteur pour vous, donc ça va être assez agréable au cours de cette année. Et la conséquence que ça va avoir, on va se retrouver dans le demi-grain d'orge et Junon. Alors on a l'idée de s'effacer un petit peu au profit des autres pour entretenir de bonnes relations, des relations saines, des relations stables, mais aussi ce qui est très intéressant, c'est que cette énergie dans laquelle vous allez vous trouver au cours de 2019, ça peut justement vous mener par le service à autrui à aller faire naître un nouveau projet, quelque chose qui peut prendre corps pour la suite de l'aventure. Ça ne va pas forcément naître en 2019, mais ça va planter une graine qui plus tard va pouvoir se développer et vous amener ailleurs. Donc c'est extrêmement intéressant. Ce sera également pas mal pour vous, tout ce qui sera signature de contrat papier, si vous comptez par exemple déménager ou faire un achat, faire une signature, signer un contrat ou autre, c'est justement la bonne année, c'est parfait parce qu'on va planter la graine d'un contrat qui voilà, durablement va pouvoir pousser, donc c'est très intéressant. Ensuite les taureaux, hop, passons aux taureaux. Alors, chers amis taureaux, c'est très intéressant pour vous parce que nous avons un aspect très sympa, enfin un aspect, une présence très sympa, qui est les cornes de taureau qui se trouvent justement au bon endroit. C'est-à-dire que vous avez votre ascendant en plein dans ce que j'appelle le milieu du ciel, c'est-à-dire vraiment dans le lieu de pleine expansion. Et il est conjoint à Chronos, très belle présence de Chronos avec les cornes de taureau. Cornes de taureau, c'est quand même prendre la parole. C'est dire ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, c'est se manifester. Et la présence avec Chronos, c'est être un dirigeant, être un directeur, être celui qui est au-dessus et qui va gouverner. C'est extrêmement intéressant. Et la conséquence de tout ça, alors là, franchement, bravo, on a l'épi de blé conjoint à Cérès. L'épi de blé, c'est ce qui pousse, et Cérès, c'est celle qui récolte, donc on n'est pas si mal que ça. Et ce qu'on va voir, c'est que donc du coup, votre ascendant est en bonne place, et votre descendant, lui, va se trouver dans votre maison 2, c'est-à-dire il va se trouver ici. Hein. Je rappelle, à chaque fois qu'on prend un signe, la maison suivante, enfin le rayon de l'individu devient sa maison 1, et le rayon suivant devient donc le maison 2, maison 3, etc. Et en l'occurrence, ici, votre descendant se trouve dans la maison 2, c'est-à-dire dans la maison justement des biens matériels et du corps. Hein. Donc je l'ai mentionné hein, tout à l'heure quand j'ai dit qu'on allait se retrouver dans une année très, très orientée, très axée sur les biens matériels. Et effectivement, on le revoit, on a encore à nouveau une maison 2 qui se marque ici de manière très forte, ce qu'on avait déjà eu pour les poissons. Et là, on va se retrouver donc avec une jolie maison 2. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour vous les taureaux? Ben, en gros, les cornes sont à leur bonne place. Donc la parole, votre parole et votre volonté vont vraiment être sacrées durant 2019. Et comme Chronos veille, comme les cornes de taureau, à ne pas dépasser les limites et à respecter les règles, en gros, 2019 pour vous, ça va être une année où vous allez être vraiment des leaders. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que si vous vous trouvez dans des situations où on vous met en place de chef, on vous met en place de leader, ne reculez pas. Je sais que les taureaux, particulièrement les premières moitiés de taureaux, pas trop les deuxièmes moitiés de taureaux, parce que les deuxièmes moitiés de taureaux sont plus facétieux, plus amuseurs et acceptent le rôle de fanfaron dans les soirées avec peu de recul. Hein. Ils y vont et ça leur fait plaisir. Mais par contre, les premières moitiés de taureaux, vous avez toujours un peu de mal à prendre votre place. Et là, justement, ça va être le moment d'abandonner le côté pépère, force tranquille. À un moment donné, si vous sentez qu'on vous file la barre, prenez la barre et dirigez, menez le bateau. Parce que ça peut être extrêmement salvateur pour vous. Ça peut vous apporter vraiment, vraiment beaucoup. Donc, n'ayez pas peur d'assumer la place qui est la vôtre. On va voir également, comme pour les poissons, que la vie matérielle sera plutôt intéressante, mais vous serez encore plus positif que les poissons, puisque là, il y aura une excellente gestion financière et une maîtrise parfaite des efforts que vous fournirez et qui porteront leurs fruits. Donc, c'est plutôt une belle année. Acceptez ce poste de supérieur, acceptez de diriger, de l'idée, et vous allez voir que ça va vous faire énormément de bien et ça va vous donner de très, très beaux retours. On va voir particulièrement avec l'épi de blé et Cérès, là, ça va être le moment de récolter justement ce que vous aurez semé. Donc ne lâchez pas le morceau. Hop. Nous attaquons les Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous avez, chez vous, dans votre milieu du ciel, nous retrouvons le pénis de taureau conjoint à Admet. Je vais essayer de me mettre à l'endroit parce que oh, les pauvres, ils ont toujours la tête à l'envers. Voilà, donc vous êtes en milieu du ciel avec pénis de taureau et Admet, et dans votre fond du ciel, on retrouve la main du glaneur et la lune. Et au niveau des autres aspects, on va retrouver votre ascendant qui se trouve en K, c'est-à-dire que je cherche, parce que du coup je suis à l'envers, voilà, il est ici, votre ascendant se trouve en K. Et votre milieu du ciel, lui, se trouve en l'occurrence, votre descendant, lui, se trouve en l'occurrence, donc vous êtes où? Tac, vous êtes ici, donc il va se trouver Tagazu, que je retrouve, demi-grain d'orge, je l'ai oublié, ah, il est là-bas, voilà, il est là-bas, donc il est en maison 11 pour vous. C'est-à-dire la maison des épreuves et de la cohabitation. J'en ai parlé en introduction, hein, j'ai dit qu'on parlait beaucoup d'argent et de finances, mais la maison 11 est la deuxième maison à ressortir majoritairement dans ce tirage. Et la maison 11 donc, va être particulièrement marquante en 2019. Alors, pour vous, qu'est-ce qui va se passer de votre côté puisque vous êtes je suis toujours en train de vous perdre, vous êtes là. Eh ben, un peu tel Admet qu'on trouve ici, hein, qui a ce désir de rester en vie et qui est prêt à tout pour le rester, et tout comme le pénis de taureau qui a l'habitude de dépasser et de franchir les limites. En gros, cette année 2019, vous allez vous aventurer au-delà du raisonnable, au-delà des limites que d'habitude vous respectiez. D'habitude, vous aviez vos barrières, vous étiez un peu tranquille, particulièrement ce qui concerne les premières moitiés Gémeaux où on n'est pas forcément très aventureux, où on peut s'aventurer mais on aime bien la sécurité. Pas trop la deuxième moitié. La deuxième moitié, elle aime bien, et l'autre au contraire est un peu explosive. Mais là, ce qu'on va retrouver, c'est que vous allez justement briser ce carcan, vous allez casser votre barrière, vous allez avoir une détermination sans faille pour aller en direction de vos objectifs. Ça va être en gros une année de transcendance. Vous allez être capable de muter, de changer. Vous serez aussi un peu versatile. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup, hein, aux Gémeaux. On voit toujours les Gémeaux un peu comme une dualité, hein, le double visage, quelque chose de très Janus. Et là, en l'occurrence, cette versatilité, elle va ressortir. Faites attention parce que vous pourriez très facilement tomber dans le côté un peu menteur, un peu manipulateur pour avoir ce que vous voulez. Et c'est peut-être pas forcément nécessaire. Néanmoins, vous allez le faire. Vous allez faire preuve d'astuce. Donc voilà, transformer le mensonge et la manipulation simplement en astuce et en stratégie. Et ça va porter ses fruits. Vous allez tirer votre épingle du jeu. Ça ne sera pas facile, hein, parce que vous avez du coup votre descendant qui se trouve en maison 11. Donc ça ne va pas être évident. Ce que vous avez en tête, ce que vous avez comme objectif, va vraiment falloir se donner pour l'avoir. Faites juste attention effectivement à ne pas trop tomber dans le mensonge et la manipulation. Ça ne portera pas ses fruits comme ça. Soyez juste astucieux. Soyez à l'écoute, soyez stratège et passez votre stratégie sous une forme de plaisir. Si vous l'amenez sous une forme de plaisir, sous une forme de jeu et d'amusement, vous aurez ce que vous recherchez. Vous avez d'ailleurs votre ascendant qui se trouve en maison K, c'est-à-dire que ça pourrait aller très vite pour vous. Il n'est pas improbable non plus qu'il y ait un changement de lieu, qu'il y ait un changement de lieu de vie ou de travail, puisque nous retrouvons la graine germée dans le sommet, hein, et qui là se trouve en maison K, et le K c'est le changement, et justement votre graine germée c'est quitter le carcan, et comme on retrouve justement dans votre fond du ciel la carte de la lune qui pareil est une carte de mutation, vous pourriez éventuellement être mené soit à déménager soit à changer de travail. Donc soyez souple. N'hésitez pas à foncer vers votre objectif, mais ne le faites pas avec de la malice, faites-le avec de l'astuce, faites-le avec de l'intelligence et faites-le surtout avec du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, si à un moment donné vous vous forcez à aller dans une direction qui n'est pas, nourrissante pour vous, laissez tomber, c'est juste pas le bon endroit. Ensuite, les cancers, tac, c'est chez moi. Alors, les cancers, nous trouvons avec dans notre milieu du ciel, la pince de Scorpion et la planète Uranus. Tandis que dans le fond du ciel, nous retrouvons Zeus associé à la toison de bélier. D'ailleurs, je devrais dire l'inverse, hein, c'est la toison de bélier qui est associée à Zeus. Et notre ascendant va se trouver ici, tac, en maison V. Donc c'est-à-dire dans la maison du pied de balance, et le descendant lui va se trouver en maison 4, c'est-à-dire Tagazu que je retrouve, je ne sais plus où je suis, oui ici, voilà. Alors, on va le retrouver à cet endroit là. Alors de quoi ça va nous parler? Pardon, pas du tout maison 4, hein, je vous ai dit n'importe quoi, c'est pas du tout la maison 4. Là on est sur, tac, on est ici, donc 1, 2, 3, 4, lui, lui est en maison 4, 5, 6, 7, on va se trouver en maison 7. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos petits cancers? Alors là, on va se retrouver avec, une association un peu violente. On a les pinces de Scorpion qui sont des idéalistes, qui sont des utopiques, et on a Uranus qui a justement des idées en tête très précises et qui est prêt à tout exploser pour faire ce qu'il attend. Il n'a pas peur du sacrifice. Là on est dans une énergie où on n'a pas peur du sacrifice, et la conséquence c'est qu'on se retrouve dans la toison de bélier qui est une carte de fluidité, qui est une carte aussi de mouvance, de mouvement, mais aussi d'échange, et on le retrouve conjoint avec la planète Zeus. On a notre ascendant qui se trouve en pied en pied de balance, et notre descendant qui se trouve en maison 7, ça va envoyer du lourd, hein, niveau boulot, ça va certainement bien bouger, et par rapport aux autres, par rapport au travail avec les autres, par rapport à notre relation avec les autres, il y a vraiment une sensation de coupure et de rupture. Ça peut être dans nos relations sociales, ça peut être dans nos relations amicales également, mais il y a une notion de couper et de trancher des choses pour partir ailleurs. En fait, c'est une envie de révolution de vie, une envie de changement radical, mais pas juste avec un objectif et on y va, mais avec plutôt cette idée d'aller à droite, à gauche, d'être un peu en départ. Alors, un peu comme nos copains Gémeaux, par exemple, hein, on verra que la notion de déménagement est pareil, est assez idéale. Sauf que chez les Gémeaux, ça sera plus fixe que chez les Cancers. Chez les Cancers, ce sera déménagement avec un S, alors que pour les Gémeaux, on a plutôt l'idée d'une installation. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Chez les Cancers, c'est beaucoup plus branlant et pas comme on aime, hein, comme je dis toujours. Donc là, ce qu'on va se retrouver, c'est que on va avoir effectivement la maison 7 qui va être un peu bouleversée par Zeus et Uranus, mais ça sera pas nécessairement sur un coup de tête. Ça va être un projet qui sera longuement pensé, mais c'est juste que malheureusement tout le monde n'aura pas l'énergie de suivre aussi facilement et aussi efficacement. Donc il va falloir y aller mollo, il va falloir être tranquille et délicat, parce que sinon, vous allez perdre des gens au passage, en fait. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir suivre, il y a des gens qui vont vous échapper en cours de route, donc c'est dommage. Donc soyez vigilants. C'est ce qu'on va voir, hein, ici, où on va se retrouver justement dans la maison 7, c'est-à-dire que ça va être en relation avec, ben justement, avec nos relations avec les autres personnes, et on peut se laisser emporter par d'autres individus. Si des personnes vous proposent de partir en vacances, de partir en vadrouille, de déménager à droite à gauche, faites juste attention, parce que vous pourriez avoir un rythme qui ne sera pas le leur. Donc soyez vigilants, 2019 s'annonce plutôt sous le signe de la rupture relationnelle et de la rupture sociale. Il y a vraiment l'idée d'une cassure, l'idée d'une brutalité, parce que les autres ne pourront pas suivre votre rythme, parce qu'ils n'auront pas les mêmes objectifs que vous, et il y a un moment donné où il va y avoir une cassure. Les uns iront d'un côté, les autres iront de l'autre. Donc il y a un moment donné où ça va devoir arriver à un point de rupture, et on y arrive, ce sera pour 2019. Pour les lions, signe des lions, tac, on arrive ici, je vais me mettre de l'autre côté pour que ce soit plus intéressant. Hop, viens par là, je prends mes petites notes pour ne rien oublier, tagazou. Alors vous les lions, vous vous trouvez ici. Alors les lions, vous avez dans votre milieu du ciel, vous avez les cornes de bélier dans votre, en association avec Apollon, tandis que dans votre fond du ciel, on retrouve tac, les plateaux de balance associés à Cupidon, ce qui est plutôt joli sur le papier, je dois dire. Votre ascendant, lui, se trouve ici, tac, voilà, il se trouve en maison W, c'est-à-dire dans la maison des pinces de Scorpion, et votre descendant, lui, se trouve en maison, tac, en maison 1, 2, se trouve du coup en maison 2 pour vous. C'est-à-dire, on retourne encore une fois sur la maison 2 qu'on a déjà vu 3 fois, donc les biens matériels et le corps. Donc on voit que ça a vraiment beaucoup d'importance, l'argent, la finance et également le physique. Et là, ce qu'on va retrouver, c'est en gros, pour l'année 2019, si vous avez un projet d'investissement, un projet de voyage, un projet d'achat, c'est l'idéal. C'est plutôt pas mal pour justement passer des accords, parce que Cupidon est extrêmement positif pour justement former des choses, leur donner forme, leur donner vie. Et comme il est en association justement avec les plateaux de balance, et que les plateaux de balance sont dans un cadre légal et judiciaire extrêmement important, là on est plutôt bien amené. Les cornes de bélier, c'est un peu comme Cupidon, sauf que Cupidon, lui, s'est formé, corne de bélier, lui, c'est obtenir, acquérir, accumuler. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'il est en association, regardez, à Apollon. Et Apollon, c'est celui qui, justement, va donner de l'expansion, va donner de la largeur. Donc, c'est plutôt pas mal. Et comme, justement, votre descendant se trouve en maison 2 et que votre ascendant se trouve en maison W, et que la maison W, c'est l'ouverture vers les autres horizons et l'accession à des univers un peu différent, à des peut-être, je sais pas, ça peut être des options que vous n'aviez pas envisagées, ça peut être des nouvelles choses qui vont vous faire partir ailleurs, mais là en tout cas pour une idée de concrétisation, une idée d'achat, une idée d'acquérir des biens matériels, c'est plutôt l'idéal pour vous les lions. Donc, au niveau financier, pas d'inquiétude au cours de cette année. 2019, ça sera plutôt tranquille. Vous allez accumuler de l'argent, vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté peut-être pour vos projets. Par contre, faites attention. Parce que vous pourriez, à un moment donné, vous rendre compte que vous êtes entouré de gens qui profitent de vous, qui profitent de ce que vous avez et qui ne profitent pas de vous pour ce que vous êtes, mais bien, là, ce n'est pas l'être humain qui les intéresse, ça sera l'avoir humain, c'est-à-dire toutes les possessions que vous aurez. Donc, soyez vigilants parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas entièrement honnête par rapport à vous. Aussi, les lions, ça sera une très bonne année pour vous si vous souhaitez, par exemple, si vous n'avez pas envie de perdre des gens autour de vous parce que vous allez vous rendre compte soudainement qu'il y a des gens qui sont intéressés. Vous pouvez transmuter ce désir de possession et ce besoin d'argent matériel, pareil aussi par exemple pour ceux qui sont en galère financière, vous pouvez le transmuter en soins par rapport à votre corps, par exemple faire du sport, avoir une activité physique. Et là, à ce moment-là, l'intérêt des gens pour votre argent va se transformer en intérêt, pas en intérêt intéressé, mais en une espèce d'attirance. C'est-à-dire que d'un coup, vous aurez ce quelque chose d'un peu magnétique qui va attirer les autres et qui va être extrêmement profitable pour vos relations sociales. Donc n'hésitez pas, ça va être le moment pour vous d'attaquer peut-être des activités physiques, de faire un peu de sport ou d'avoir des choses qui vont vous permettre d'entretenir votre santé et votre corps. Maison suivante, maison de la Vierge, enfin signe suivant, pardon, pas maison, signe suivant. Alors on se retrouve avec votre milieu du ciel, dans votre milieu du ciel on a le manche de Faucille et la planète Saturne, tandis que dans votre fond du ciel, nous retrouvons la tête de poisson associée à la planète Vénus, les deux d'ailleurs s'entendent extrêmement bien. Votre ascendant se trouve, où est-ce qu'il se trouve votre ascendant? Que je ne dise pas d'ânerie, je ne sais plus, je l'ai perdu. Votre ascendant, bah si je suis bête, forcément. Non, pardon, vous êtes ici, donc là-bas, voilà, tac, donc en maison D, je sais pas si je peux, est-ce que je peux faire un zoom? Oui, merveilleux, donc vous êtes juste ici, c'est parce que je suis un petit peu loin, tandis que votre descendant, lui, va se trouver juste là, donc à côté, l'épi de blé, mais qui lui est un équivalent pour vous de la maison 9, c'est-à-dire la maison de la spiritualité et de l'inconnu. Extrêmement intéressant pour vous les vierges, parce que vous qui êtes à tendance extrêmement pragmatique et pratico-pratique, ça va vous aventurer dans des univers plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous les Vierges? Alors pour vous les Vierges qui avez tendance à être assez mentales et réfléchies, en 2019, vous allez avoir au contraire des envies de sensations, d'être en vie. Vous allez avoir besoin de vous sentir pleinement en vie, en dehors de votre tête, en dehors de votre cadre mental, mais en passant plutôt par les sensations et par le corps. Et vous allez avoir besoin de comprendre le sens de cette vie. Et si vous ne le comprenez pas, vous allez avoir envie de lui donner un sens. Et ça, c'est très très important pour vous parce que on va voir en réalité qu'il va y avoir un peu une forme de repli sur vous-même, un petit repli, mais pas mauvais, hein, il n'y a pas mort d'homme, mais ça va être un repli pour vous permettre de méditer et de vous débarrasser de ce qui vous apporte un peu des tourments et des interrogations. Et en fait, je ne sais pas, par exemple, je vous donne ça comme un exemple, mais ça pourrait être parfait pour vous d'aller partir pendant 2 mois, faire une retraite dans un pays, je sais pas, partir en Inde ou quelque chose comme ça pour spirituellement vous retrouver. Vous partez seul, hein, vous laissez le mari, les enfants, la plante verte, le chien, le couvre-théière et le rocking chair et vous partez juste vous, tranquillement, pour vous faire du bien et vous retrouver. Et ça va être vraiment une année où tout ce qui n'aura pas de sens dans votre vie, tout ce que vous allez vous dire mais est-ce que j'ai vraiment envie que ma vie elle ressemble à ça? Vous allez l'abandonner, vous allez le laisser tomber, vous allez partir ailleurs, vous allez faire autre chose. Donc ça va être un moment qui peut être une forme de crise spirituellement parce que c'est pas évident, mais par contre ça peut vous apporter énormément de bienfaits parce que vous allez donner du sens justement à votre vie. Donc c'est plutôt une bonne chose. Même si c'est pas fastoche, faites-vous la part belle au cours de cette année en 2019 à la solitude et à la réflexion et au retrait. Je vais me remettre dans l'autre sens parce que comme je vais attaquer les autres signes, je vais me retrouver en supérieur. Hop, tac, la partie supérieure du cercle. Ah, je m'assois. Dites donc, moi aussi, il faudrait peut-être que je me remette au sport. Donc, c'est pas si mal que ça pour vous, les vierges. Il faut vraiment juste accepter l'idée que c'est pas les autres, au cours de cette année, qui vont vous apporter des réponses. Ce ne sont pas les autres qui vont vous apporter les opportunités, ou si elles vous en apportent, c'est très bien, mais juste prenez le temps de la réflexion dessus. Est-ce qu'elles valent vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour votre vie? Si on vous apporte un boulot qui est en or mais qui n'est pas du tout dans vos valeurs, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le prendre ou pas? Donc c'est le moment où, au cours de cette année, on ne transige plus sur ce qui fait votre essence, sur ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Vous êtes dans de la douceur, on vous propose quelque chose de brutal, c'est niette. Vous êtes hyper virulent, vous aimez le mouvement et on vous propose un truc plan-plan, c'est non. On ne transige pas. C'est dur à dire ça. C'est pas le moment d'accepter des deals qui ne seront pas en accord avec ce que vous êtes intérieurement. Les balances. Alors, tac, et en suivant, je vais essayer de... Voilà. Les balances, on retrouve dans votre milieu du ciel les pinces de scarabée. Est-ce que je peux faire un petit zoom? Oui, on retrouve les pinces de scarabée accompagnées de la planète Vesta, tandis que dans votre fond du ciel, on retrouve la piqûre de scorpion avec Pallas. C'est assez rigolo parce que les couleurs se retrouvent en plus très bien. Les deux sont très proches l'un de l'autre. Votre ascendant, alors que je le retrouve, votre ascendant doit se trouver... Oui, tiens, tac, voilà, il est là-bas. Pardon, le doigt devant la caméra, il est ici. Il se trouve en maison L, c'est-à-dire dans la maison du pied de Caprin. Tandis que votre descendant, il se trouve ici en fait. Il se trouve dans votre maison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se retrouve pour vous dans votre maison 6. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a à cet endroit-là? Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une année... que j'arrive à me caler, pardon, en plus les voitures passent. Ce sera une année où il sera pas bon de vous contrarier, et il sera pas bon surtout de contrarier vos plaisirs. Il y a des choix majeurs qui seront en fonction des causes qui vous touchent que vous allez faire, c'est-à-dire que vous pourriez vous embarquer, par exemple, je sais pas, vous aimez défendre la nature, les animaux, vous voulez vous engager pour la cause des femmes battues ou pour les enfants abandonnés ou pour n'importe quelle cause qui vous touche à cœur. Là, en l'occurrence, vous allez vous lancer sur ces choix-là, vous allez vous aventurer sur ces choix-là, sur des choses qui vous sont extrêmement proches. En fait, en gros, vous allez faire ce que les vierges devraient faire. Donc voilà, donc amis vierges, si vous avez des copains balance, c'est le moment de les suivre. On va faire ça comme ça. Et vous allez vraiment vous engager, mais par contre, il ne sera pas très bon de vous contrarier. Voilà, il ne faudra pas trop vous contrarier à cet endroit-là. Il faudra plutôt suivre votre mouvement et aller dans votre sens, parce que si on vous contrarie, ça va faire fuser les critiques. Et en gros, vous allez vous retrouver en mode Valkyrie, à moitié dans son lit. Pardon, voilà, il fallait une blague de merde. Voilà, elle était là, elle était pour les balances. Bingo, c'est pour vous, bravo. Bonne année. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver en mode Valkyrie avec le casque à cornes à défendre vos opinions contre vents et marées, et vous allez malmener un peu vos relations pour le bien de vos objectifs. Alors c'est pas une mauvaise chose, parce qu'à un moment donné on a besoin de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, et vous allez voir qui sont réellement vos amis, vos proches, ceux qui sont capables de dire je suis pas d'accord avec toi mais je te soutiens dans ta démarche. Donc ça va vous faire beaucoup de bien également. Mais par contre, effectivement, c'est une année où... En fait, c'est vraiment extraordinaire parce que vous êtes exactement ce qu'il va falloir pour les vierges. Les vierges vont avoir besoin de l'énergie que vous avez. À une exception près, c'est que vous ne serez absolument pas dans une énergie à prendre les gens par la main. Là, c'est soit on vous suit, soit on ne vous suit pas. Mais si l'autre n'est pas capable de vous suivre parce qu'il n'a pas le même rythme, on le laisse tomber, on décramponne complètement, et puis on part tout seul, voilà, avec notre sac, et puis on va épouser notre bonne cause. Donc les autres vont avoir vraiment du mal à vous suivre, mais quelque part c'est peut-être pas plus mal parce que vous n'avez pas forcément, besoin des autres, donc pas d'inquiétude. Mais par contre effectivement ça va être une année, ouais, c'est pas l'idéal pour vous, pour demander des services autour de vous, demander aux autres d'être sympas avec vous, parce que comme vous n'aurez pas été forcément très agréable non plus avec eux, voilà, mettons un peu de côté. Par contre, ça sera top pour le domaine du travail. Ça va vraiment être l'idéal pour vous lancer dans des objectifs, justement, par exemple pour ceux qui sont dans une une perspective de création d'entreprise, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez créer, ou s'il y a une cause que vous voulez épouser, si vous voulez quitter votre travail pour aller faire un an de bénévolat, c'est l'idéal. Du coup, navré pour votre année 2019 au niveau amical, parce que ça va pas être l'idéal. Quoi que je regarde, 1, 2, 3, 4, 5. Non, même dans votre vie amoureuse, c'est pas génial. Mais par contre, niveau professionnel, tablez, misez l'intégralité de votre énergie sur le milieu professionnel, parce que ça peut exploser et ça peut devenir énorme. Et n'oubliez pas, vous êtes en mode Valkyrie casque à cornes et vous allez pouvoir à fond défendre votre point de vue, vos objectifs, et vous allez pouvoir vous démener au niveau boulot comme de beaux diables et obtenir de super résultats. Donc allez-y, foncez, c'est parfait. On attaque les scorpions. Alors scorpion, vous êtes ici, avec un Z comme dans ici. Et vous avez dans votre milieu du ciel, vous avez l'arc bandé associé à Jupiter. Et dans votre fond du ciel, on retrouve la lame de Phocée associée à Chiron. C'est un peu trash, hein, les amis, je dois dire. Votre ascendant se trouve justement ici, hein, en maison H, c'est-à-dire dans la maison des plateaux de Balance. Tandis que votre descendant se trouve, alors attendez que je retrouve où est-ce que vous êtes, votre descendant, tac, vous êtes ici, c'est-à-dire donc en maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est-à-dire en maison 9, donc dans la même maison que ce qu'on avait vu avec les vierges, donc par exemple les scorpions, les vierges, vous aurez peut-être des objectifs un peu communs. Mais par contre, vous n'allez pas du tout avoir la même manière de vous y prendre. Pour vous, les scorpions, au cours de cette année 2019, vous allez avoir envie de rangement, vous allez avoir envie d'ordre, vous allez avoir envie de voir clair votre avenir et de faire des choses à votre manière. Vous allez très certainement manquer de tolérance et manquer d'indulgence. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que à chaque fois que vous ferez une critique sur quelqu'un, vous vous en prendrez à quelqu'un ou vous dégagerez quelqu'un, ça ne fera que, pour les autres autour de vous, que mettre le doigt sur vos propres travers, vos propres failles, vos propres faiblesses et vos propres peurs. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du retour vers l'intérieur. Et à chaque fois que vous attaquerez quelqu'un sur ce qu'il est ou sur ce qu'il fait, n'oubliez pas cet effet miroir, c'est-à-dire que ce que vous voyez chez l'autre, c'est ce que les autres voient chez vous. Donc, ou ce qu'ils ne voient pas, mais ce que vous pourriez voir chez vous si vous vous tourniez un peu à l'intérieur. Du coup, vous devrez appeler au cours de cette année à la clémence des autres. Vous devrez être un peu tolérant avec les autres et leur demander de l'être avec vous, parce que en fait ça va être le moment de faire preuve de vérité par rapport aux autres. Là on fait tomber les masques, bas les masques, on dit vraiment ce que nous sommes, on dit bah oui voilà, moi j'ai cette phobie, moi j'ai tel problème, j'ai telle chose qui me fait mal, j'ai telle chose qui me fait peur. C'est le moment où justement on va en parler, on ne va pas cacher les choses, on ne va pas essayer de se montrer sous un visage parce qu'on trouve que c'est mieux d'être comme ça. Ça va être justement le moment de montrer la vraie identité que vous avez, et plutôt que de critiquer les gens et juste de les critiquer, dites-leur ben, tu vois, lorsque tu fais ça, moi chez moi ça brutalise telle part de moi parce que j'ai tel besoin qui n'est pas nourri. Faites un retour vers vous, ramenez vers vous la chose, pas de manière égoïste, dans le sens j'aime pas que tu fasses ça, je veux pas que tu le fasses, mais plutôt dans le sens ça me fait mal ou ça me fait peur ou ça me blesse. C'est vraiment l'idée d'amener l'individu dans ce qu'il a de sensible et de délicat. Et si vous êtes capable de faire ça, vos relations sociales, c'est pour ça qu'on voit hein, votre ascendant qui se trouve en maison H, votre vie sociale va pouvoir s'en trouver extrêmement apaisée. Ne foncez pas dans l'art des gens, ça ne marche pas, je sais que vous aimez bien fonctionner comme ça, avec ce côté extrêmement passif-agressif du scorpion qui envoie une petite pique et puis qui part en souriant, en disant non, non, mais c'était de l'humour, mais qui en réalité n'en pense pas moins. C'est pas une issue, c'est vraiment pas un bon moyen. Donc allez-y mollo, soyez délicat, et dès que quelque chose vous blesse en cours de 2019, soit vous faites une pique et vous allez flinguer votre vie sociale, soit vous le prenez avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de tendresse et vous parlez aux gens de ce que vous avez à l'intérieur de vous, de votre vérité, de votre cœur et de vos besoins qui sont nourris ou pas nourris. Et à ce moment-là, vous allez voir que la reliance est beaucoup plus facile. Juste Scorpion, je regarde, tac, 2, 3, vous avez, juste voilà, vous avez votre planète qui va pas énormément vous aider, hein. Le Pluton se trouve là, et là en l'occurrence elle vous est pas, elle vous est pas d'une grande utilité, au contraire, elle a plutôt tendance à vous tirer dans les pattes, et justement votre planète c'est le côté un peu transformation et autodestructeur. Ça n'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas qu'il faut absolument s'en débarrasser. Parfois on peut arranger certaines choses, parfois on peut réparer certaines choses. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait un coup de pique qu'on ne peut pas passer un coup de balai. Donc mettez un tout petit peu d'eau dans votre vin au cours de 2019. Sagittaire, amis Sagittaire, vous vous retrouvez en haut et là, quelle année! Quelle année les Sagittaires! On se retrouve dans votre milieu du ciel avec la pointe de flèche et Eris, hein, la planète de la discorde et du conflit, de la pomme qu'on envoie et on laisse les autres se taper dessus. Et dans votre fond du ciel, on retrouve la graine germée, tac, par ici, on retrouve la graine germée et la planète Hadès. C'est autant dire que vous allez certainement vous ramasser un petit peu des nions si vous ne faites pas attention au cours de cette année les Sagittaires, ça risque d'être un petit peu dur. On retrouve votre ascendant, alors votre ascendant se trouve chez les Scorpions normalement, je crois si je dis pas de bêtises, tac, oui parce qu'il est là-bas. Je regarde, il est dans le fond, donc on le retrouve dans la maison de la piqûre de Scorpion. Tandis que votre descendant, lui, se trouve en fait dans votre maison 1. Donc ça va être en rapport avec l'énergie et vos objectifs de vie, hein. La maison 1, c'est également les objectifs de vie, ce qu'on a envie de faire de notre existence. Vous allez, au cours de l'année 2019, vous allez avoir envie de subtilité et d'efficacité. Et du coup, vous deviendrez un peu brutal dans vos énergies, dans vos intentions. Le problème c'est que ça va vous coûter en fait des occasions, ça va vous coûter des relations, ça va vous coûter des projets et ça va surtout faire naître le conflit. Comme vous allez avoir envie que les choses aillent vite et qu'elles aillent bien et qu'elles aillent de manière efficace et que vous allez en avoir marre de la bêtise, vous allez en avoir marre de la bassesse, ça va vous gonfler de voir des gens qui ne sont pas fins, de voir des gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas intelligents. Vous allez avoir la sensation que mais putain, à quel point les gens me font perdre du temps, ça m'énerve, mais tu peux pas avancer, tu peux pas faire comme ça, je te l'ai dit, je te l'ai expliqué, est-ce que j'ai besoin de te le dire 12 fois? Et en fait, oui, il y a des gens à qui on a besoin de l'expliquer 12 fois, ou alors de 12 manières différentes, pour que, à un moment donné, il y en ait une qui fonctionne. Et comme vous allez avoir cette envie de choses un peu plus subtiles, et un peu plus raffinées, et un peu plus délicates, et surtout vous allez avoir envie que les choses avancent, parce que vous voyez avancer, ou parce qu'au contraire, vous voyez que vous n'avancez pas et que vous voulez avancer, ça va vous insupporter au plus haut point de voir des gens qui n'avancent pas et qui ne font pas leur boulot ou qui vous ralentissent, qui vous retardent. Et ça pour vous, ben, ça va vous être insupportable et du coup vous allez perdre des relations parce que vous allez leur foncer dans le tas. Votre objectif de vie par contre pourrait être remanié en profondeur et vous pourriez un peu en fait vous en vouloir. Votre planète Jupiter se trouve en balance et c'est celle qui vous invitera à être un petit peu plus timoré ou un peu moins rentre dedans. Mais en tout cas votre objectif de vie lui il est très intéressant parce qu'il pourrait être un petit peu remodelé. Vous pourriez le voir être un petit peu chamboulé et vous pourriez vous autoflageller un peu parce que vous avez raté une occasion ou parce que justement vous êtes allé trop vite. Donc c'est peut-être le moment pour vous en 2019 de faire le bilan de c'est quoi mon objectif de vie, qu'est-ce que je peux faire pour y aller et qu'est-ce que je peux surtout faire pour ne pas me tirer une balle dans le pied. Soyez très vigilants parce que ça va vous demander une attention à toute épreuve. Parce que des gens qui vont vous ralentir, il va en avoir. Mais si vous leur rentrez dans l'art, ces gens-là qui auraient pu vous apporter une belle occasion d'avancer, eh ben, ça va vous passer sous le nez. Et on sait à quel point les Sagittaires peuvent être très pulsatifs, pulsionnels. Pulsatifs, ça n'existe pas du tout, je crois pas. Je ne sais pas en quelle langue, mais à quel point ils peuvent être pulsionnels. Et ça pourrait être dommage parce que vous pourriez perdre une belle occasion simplement parce que vous auriez été un petit peu vite. Donc allez-y plus mollo, allez-y plus tranquillou. Et puis surtout demandez-vous qu'est-ce que je peux éviter de faire pour ne pas me tirer une balle dans le pied. Par contre, si vous tenez bon et que vous êtes capable de faire preuve de clémence envers ceux qui ne suivent pas votre rythme, ces derniers pourraient au moment le plus étrange et le plus inattendu, vous apportez une occasion professionnellement pour éclater. Donc, Voilà, soyez tempérés. Les Capricornes, tac les Capricornes, vous êtes ici. On retrouve dans votre milieu du ciel le pied de Balance et Poséidon, tandis que dans votre fond du ciel, nous retrouvons Vulcain et la carapace de Scarabée. Alors, qu'est-ce qu'on va en dire pour vous les amis Capricornes? Alors déjà, notons que votre ascendant se trouve ici, en maison N, tandis que votre descendant se trouve du coup pour vous en maison 3, hein, chez les poissons en l'occurrence, donc dans la maison de la communication et des relations sociales proches. Qu'est-ce qu'on va retrouver chez vous? Eh ben, ça va être un peu une mise au point en fait dans votre entourage. En gros, vous pourriez, particulièrement avec Poséidon, quoique le pied de Balance également, vous pourriez mettre un peu les choses au point avec certaines personnes avec qui vous avez des comptes à régler, mais vous pourriez aussi apprendre quelques vérités sur certaines personnes qui vous entourent, des vérités qui ne sont pas forcément très agréables à entendre, parce que vous pourriez vous rendre compte qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu des tromperies, qu'il y a eu peut-être des manipulations. Donc faites attention si vous avez des gémeaux, dans le coin, on sait qu'ils aiment bien, raconter un petit peu parfois des petits cracks, donc faites attention, je fous la merde. Hein. Donc si vous êtes Capricorne et marié à un Gémeaux, c'est le moment d'aller jeter un œil dans le téléphone, il y a peut-être des choses pas claires. Non, je blague, hein, c'est pas vrai. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais du coup, voilà, il y a cette idée du coup de découvrir des réalités que peut-être vous ignoriez, des visages que vous n'aviez pas vus, et vous pourriez éventuellement comprendre des intentions présumément louables chez certains qui en réalité ne servent que eux-mêmes. Donc ça va être en gros pour vous le moment de vous refermer sur vous-même, de vous mettre en fermeture pour travaux, pour tenir bon dans vos obligations et pour ne pas simplement tout envoyer balader, parce que vous pourriez avoir envie de tout envoyer balader. Et du coup ça va nous ramener à quoi? Ça va nous ramener justement au premier cercle, au cercle proche. Ça va être le moment pour vous de voir qu'il y a des relations dans votre entourage très proche qui n'ont plus lieu d'être et qu'il va falloir vous débarrasser de certaines choses. En gros, pour vous, le 2019, c'est « je veux le mieux plutôt que le trop ». Je veux la qualité plutôt que la quantité. Vous avez 10 amis. Bon, c'est peut-être 8 de trop, parce qu'il y en a peut-être 8 dans l'eau qui en réalité énergétiquement vous bouffent énormément et vous n'avez peut-être pas besoin de ça. Donc il va falloir faire cette petite mise au point. Dès l'instant où vous voyez qu'il y a des gens qui vous vampirisent un petit peu, nettoyez tout ça. Dès que vous sentez qu'il y a du double discours, nettoyez tout ça. Ça va être le moment pour vous en fait d'éclaircir les relations troubles, les compromis, les quiproquos, les choses qui ont besoin d'être remises à plat. Ça va être le moment. Et qu'est-ce que ça va faire pour vous? Mais en réalité, c'est assez, la conséquence peut être assez positive, parce que vous allez revenir à une forme d'essentiel extrêmement bon, extrêmement salvateur. Et en fait, au cours de cette année, toutes les claques dans la gueule que vous avez prises au cours de l'année 2018 et même un peu de 2017, parce que là, on sait que pour les Capricornes, ça a été dur pendant quelques temps. En fait, là, vous allez obtenir au cours de 2019 une carapace en béton armé. C'est-à-dire que vous allez finir par, non pas être... intouchable et impossible à émouvoir, mais vous allez enfin trouver votre solidité et votre stabilité émotionnelle. Vous allez être capable de vous dire « ben ouais, je peux pas empêcher les emmerdes d'arriver, mais par contre je peux faire en sorte qu'elles ne me touchent pas ou qu'elles ne me touchent plus autant qu'avant d'une part, et d'autre part, si je ne peux pas empêcher les emmerdes d'arriver, je peux peut-être m'empêcher d'avoir autour de moi des gens qui génèrent ces emmerdes. » Donc ménage, balai, coup d'aspirateur, on dégage un petit peu toutes ces choses qui sont pas nécessaires, et on va voir que Uranus, Saturne, je cherche Saturne, où se trouve-t-elle? Tac, elle se trouve ici. Voilà, on voit que Saturne se trouve justement chez vous dans un aspect qui est positif, puisqu'elle va, elle va former chez vous un aspect qui est un trigone, et c'est un aspect qui va vous booster, c'est un aspect qui va vous faire du bien. Ça va être pour vous justement le moment de trouver ce repli sur vous-même. Alors c'est pas un repli, comme on a vu avec les autres, hein. C'est pas un repli du genre je fais la gueule dans mon coin, c'est vraiment je débarrasse le plancher de tout ce qui n'a plus lieu d'être et je passe un gros coup d'aspirateur, et ça va vous être vraiment profitable. Votre planète, elle va vraiment être là pour vous aider et elle va vous booster, donc pas de crainte, pas d'inquiétude, d'autant plus que je regarde crois. Oui, d'autant plus que vous avez également Chronos, qui est très proche de Saturne, hein, qui forme le même aspect hein, avec vous. C'est-à-dire, donc, on retrouve Saturne et Chronos, qui les deux sont en trigone par rapport à vous. Donc là, ça va vraiment être l'idéal pour faire exploser tout ce qui n'a plus lieu d'être et vous débarrasser, voir clair dans la situation et commencer à vous forger une carapace en béton armé. Donc c'est plutôt positif. Donc restons joyeux, gardons la positivité parce que les années de difficulté, je ne vais pas dire qu'elles sont derrière vous parce que je ne suis pas allé voir plus loin ce qui allait se tramer, plus loin que 2019. Mais par contre, même s'il y a des emmerdes, croyez bien une chose, vous ne serez plus touché de la même manière qu'avant. Si vous avez eu des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes dans votre couple, des conflits dans le boulot ou autre, je ne dis pas que ces emmerdes vont cesser, mais par contre ça ne vous touchera plus du tout de la même manière et vous allez voir qui est une aide pour vous et qui ne l'est pas. Et pour vous à qui il est difficile je ne vais pas dire de plaire parce que c'est pas vrai, parce que vous êtes des gens avec les Capricornes ont un vrai sens du sacrifice pour le bien d'autrui, mais pour accepter par exemple d'aller faire la gueule avec quelqu'un, de faire la gueule ensemble avec quelqu'un, moi c'est ce que je trouve fantastique, vous savez, c'est ce qu'on dit des vieux couples, hein. Un vieux couple qui dure, c'est deux personnes qui, quand elles s'engueulent, ne vont pas faire la gueule chacune de leur côté, mais vont faire la gueule ensemble. Et il y a cette image, par exemple, qui tournait sur Facebook, vous savez, où on voyait un petit papy et une petite mamie, et les deux se boudaient, ils faisaient la tronche parce qu'ils s'étaient engueulés, et il pleuvait, ils étaient dehors, et il y avait le papy qui tenait quand même le parapluie pour la mamie au-dessus de sa tête, en disant on s'engueule, mais on est quand même là l'un pour l'autre. Et en gros, pour vous les Capricornes, c'est très dur ça. Vous êtes capable d'être extrêmement présent pour les autres, mais dès qu'il y a un coup de travers, tout de suite, on a une espèce d'énorme repli, et vous finissez complètement seul. Là, en l'occurrence, au contraire, ça va vous permettre de trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir faire la gueule. Et moi, je trouve que c'est formidable, en amitié comme en amour, comme au boulot, d'être capable de dire « je t'aime, mais je t'en veux » ou « je t'en veux, mais je t'aime ». Allons faire la gueule tous les deux. Et là, voilà, ça c'est pour 2019 pour vous. Et on termine par nos amis Verseaux, hein, les derniers, les petits Verseaux. Alors, les Verseaux, on retrouve... Alors là, franchement, honnêtement, j'aurais pas pu mieux faire si j'avais voulu le faire exprès. On retrouve... chez vous, dans votre milieu du ciel, on retrouve la bonne carte, c'est-à-dire votre profondeur des eaux, à sa bonne place, elle est en domicile, associée au soleil, tandis que dans votre fond du ciel, on retrouve là ici la surface des eaux à sa bonne place en domicile, associée à Pluton. Alors là, ce qui est quand même assez extraordinaire parce que on peut pas faire plus précis. C'est-à-dire que vous avez votre ascendant dans sa bonne place, votre descendant dans sa bonne place, et en plus les deux sont accompagnés de deux planètes quand même extraordinaires, hein, qui sont les deux opposés et à partir desquelles la vie ne peut pas exister, hein. On dit que Pluton est en rapport avec la cellule et le soleil avec l'énergie qui a fait battre la cellule, et on retrouve, alors pour vous c'est vraiment voie royale, on ne s'inquiète pas, 2019 jouer au loto c'est le moment, c'est parfait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Votre maison 1, elle est très très forte. Bon, ça va être une année pour vous où vous allez vous construire, vous ériger, vous allez bâtir des choses extrêmement fortes pour vous. C'est très 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 intéressant. C'est un peu, au cours de cette année, vous aurez un peu l'énergie d'explorer l'inexploré, d'initier des nouveaux mouvements, d'explorer des nouveaux horizons, de pouvoir vous aventurer dans des univers complètement improbables, sans jamais avoir l'impression de vous épuiser. En gros, vous êtes complètement équipé pour aller explorer les fonds marins, le sommet des montagnes, pour pouvoir aller partout, pour pouvoir tout faire, sans jamais vous crever par un seul moment. Donc c'est plutôt positif. Et vous terminerez l'année un peu en vous brossant d'un... ouais, pas mal. Ouais, chapeau. Franchement, je suis fier. Et d'ailleurs, vous l'aurez mérité. Et il y aura un vrai talent de transformation à l'horizon. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu... Il y a un côté baudelairien, en fait, hein, dans cette année 2019 pour vous. C'est-à-dire que ce côté baudelairien, pardon, c'est l'idée de « donne-moi ta boue et j'en ferai de l'or ». Et vous aurez une capacité à transmuter les emmerdes en quelque chose de très beau. Et en fait, j'ai envie de vous inviter... amis Verseaux, à prendre les amis Capricorne par la main pour les aider justement, leur filer un petit coup de main, pour leur apprendre ce talent de transmutation qui peut leur faire énormément de bien. Juste une chose, faites attention les Verseaux, votre planète Uranus se trouve ici en quinconce de vous et en quinconce croissant, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup d'envie, et en plus de ça, vous allez pouvoir matérialiser ce que vous avez envie de faire, vous allez pouvoir transformer ce que vous avez à transformer, mais vous pourriez être un peu frustré parce que vous aimeriez en avoir plus, en avoir plus loin, en avoir toujours, toujours en plus grand. Tiens, petite araignée. Salut toi. Elle se balade chez vous. Et du coup, vous pourriez être un peu frustré parce que vous voulez encore et encore et encore. Donc, c'est pas grave. Ne vous frustrez pas, ne soyez pas... ne vous freinez pas, ne freinez pas votre ambition. Au contraire, gardez-la. C'est pas parce qu'elle peut vous frustrer un peu qu'elle ne vous fera pas du bien. Au contraire, elle peut vraiment vous aider à avancer et à aller encore plus loin. Mais c'est juste, voilà, sachez juste que là, pour le coup, vous êtes en pleine expansion. Ça va vous faire énormément, énormément de bien. D'autant plus que vous êtes plutôt bien entouré, hein, parce que vous avez quand même en semi-sextile, vous avez quand même Vulcain et Mars à côté du Soleil. Comment dire, c'est pas si mal. Tandis que votre Pluton, lui, il est complètement porté par Poséidon et par Neptune, hein, donc c'est-à-dire la révélation et la compréhension et l'intégration. Là, comment vous dire que vous avez plutôt une belle année devant vous, les Verseaux. Donc, en gros, on continue tel quel, on se donne à fond, on ne lâche rien, et vous allez voir que ça peut être une année extrêmement porteuse. Juste faites attention par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, maison 5, dans vos relations proches et dans vos plaisirs, faites attention aux excès, c'est pas le moment de se choper une MST ou quelque chose comme ça, j'en parle pour ceux qui s'amusent un peu beaucoup, faites attention parce que ça pourrait pointer le bout de son nez. 6, 7 et 8, et au niveau des papiers et des contrats, si vous souhaitez par exemple interrompre un contrat de travail, c'est le moment, c'est l'idéal. Si vous souhaitez quitter un boulot pour partir faire autre chose, c'est le moment, c'est parfait. Donc faites-vous plaisir, vous allez voir, ça devrait plutôt bien se passer. Bon, et ben voilà, c'était l'Originoscope pour l'année 2019. Un Originoscope un petit peu long, mais j'espère qu'il vous a bien éclairé. Bah oui, 1 heure, je vois l'heure. J'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez des petites interrogations, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et puis, je vous souhaite encore une fois tout le meilleur du monde pour cette belle année 2019 qui attaque. Et puis, bah, quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Bah, de toute façon, je vais déjà vous retrouver au cours de cette année avec des nouvelles vidéos, avec des nouveaux cours, hein. On se retrouve également en septembre prochain pour la rentrée de la formation... de tarologue intégrale qui va attaquer encore une fois Paris-Marseille et peut-être même ailleurs. Il y a un sondage qui a été publié, n'hésitez pas à y répondre. Et puis si évidemment l'oracle des origines vous plaît, il y a toujours la possibilité de s'en procurer des exemplaires. Le livre est sorti sur Amazon au format papier, il est toujours disponible en PDF sur mon site, et puis je compte proposer prochainement des petits ateliers en ligne à nouveau pour vous présenter le langage de ce jeu et pour vous apprendre également à faire des originoscopes si vous le souhaitez. Voilà, je vous donne rendez-vous tout bientôt, prenez bien soin de vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Puis en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.